Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Eden Crafter. Alors, hop, ok. J'ai hésité un petit peu sur ce que je voulais faire dans cet épisode. Il me faut absolument. Attendez, ouais. Afin, voilà, ce bâtiment-là, il me faut du basalte. Ça augmente de 10 la taille maximale de la pile d'éléments de votre inventaire et d'autres conteneurs jusqu'à 50. D'accord. Donc si ça augmente de 10, ça veut dire qu'on peut faire 5 bâtiments dans ce style-là. Ouais. Entrepôt T2. Alors est-ce que... ouais, l'entrepôt T2... Ah ça c'est l'entrepôt T1. Ça c'est le T2. D'accord. Donc ça remplacerait celui-là. Je comprends pas. Ça augmente la taille maximale. Bon, on va tester. Il nous faut du basalte, de toute façon. On va en avoir besoin à un moment donné. Ne serait-ce que pour construire ça. La couche d'isolation, je sais pas comment on fait. L'alliage d'acier, je sais pas comment on fait. Attendez. La couche d'isolation, ça me parle, ça. Je pense qu'on... Ouais, c'est ça. Ah, c'est des lingots d'or. D'accord. Donc, il faudrait qu'on chope le basalte. Et... Elle est où la carte? Non. Il faudrait qu'on chope... Qu'on chope le basalte ici, ça risque d'être assez difficile à faire, parce que là c'est une zone où il fait 90 degrés. Est-ce que je peux construire facilement une foreuse? Oui. Ça, non, il me faudra des circuits imprimés. D'accord. Et ça, ouais. Ok. Alors, circuit imprimé. J'en ai 5 ici. Donc ça devrait être bon. J'ai de la nourriture sur moi. En sécurité, je peux peut-être en prendre un petit peu plus. On va y aller. On va essayer de construire ça. Oula, j'ai glissé. On va essayer de construire ça. Attention, il y a un arbre. Ah. Alors attendez, parce que du coup, il faut aller vers le nord-est. Par là. Oula. Non, vol. Là, je suis dans une zone radioactive. Ok. On y arrive. Et là, d'ailleurs, il y avait des rubis que j'avais trouvés, du cuivre et du soufre. Oula! Pardon, monsieur. Donc les rubis pour l'instant ça m'en demande pas, mais on sait déjà où en trouver. Alors, ça serait par ici. Est-ce que je peux au moins le raffiner? Alors par contre je sais plus du tout. Je crois que c'est les grosses roches. Non, c'est pas celle-là. Ah, je sais plus. Alors attention parce que ça va piquer là. Non, ça c'est du graphite. Ça c'est quoi? Cobalt. Aïe 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 aïe. Ça doit être la roche un peu plus sombre là. Ah, attendez, où c'est peut-être ça? Attendez, on va regarder. Basalte, c'est ça. Et ça là-bas, c'est quoi? Mince, il est où? Ah.
Ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Du cobalt. On va retourner dans... Ouh, ça pique. Ah, je vous avais dit, hein, parce que ça piquait super fort. Oh. Ouais. Va falloir être rapide. Est-ce que je peux invoquer mon drone? Ah ouais, non. Alors attention, faut être rapide. On sort, on invoque le drone. Ah, faut que je fasse une raffinerie aussi. Est-ce que j'ai assez pour faire une raffinerie? J'ai pas pensé à regarder. Ouais, si, c'est bon. Attention. Il va me falloir une éolienne. On ressort. Une éolienne, là. C'est chaud, hein. Alors, est-ce que ça me le récolte, au moins? Oui, c'est bon. Ok. Alors, on va attendez, parce que je suis pas sûr. Je suis pas sûr de pouvoir le faire, en fait. On va tester, hein. On va regarder. Mais est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de... C'est peut-être là-dedans. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai pas de quoi le faire. Ah mince. C'est avec ça qu'il me faut. Faut que ça passe là-dedans. Et non pas là-dedans. Je pourrais construire un entrepôt comme ça ici. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Résiste aux conditions extrêmes. Après, pour ce que ça me coûte, hein, franchement, c'est pas bien gênant. Je pourrais faire un bâtiment comme ça, mais par contre, il me faut un rotor et quatre filtres. Bon, bah, faut qu'on reparte. Ok. Pour le moment, ça va m'en récolter un petit peu. Ok. Ça va être notre objectif de la vidéo, arriver à choper tout ça. Le gros entrepôt que je vais construire, si j'arrive à faire, à choper du rubis, peut-être qu'on pourra faire un parcours jusque... Ouais, c'est chaud avec les températures extrêmes, je sais pas. Ah, un petit point de verdure.
Oh, il descend vite, là. Oh, mais il fait bon par là. Alors, est-ce que j'ai des rotors? Parce que je sais que j'ai mis un petit peu de bordel ici. Ah, j'en ai que deux. Ok. Alors, rotor, j'en ai trois. Non, c'est pas là, ça doit être là. Comment on fait déjà? Avec du minerai de soufre. Ouais, ça j'en ai. Hop, parfait. Je vais tout faire. Bon, c'est un petit peu long. Mais autant en avoir en stock. Ça c'est des fils d'or. Donc ça, on verra ça dans le peut-être le prochain épisode. On va avoir une grande zone à travailler sur une grande zone pour pouvoir récolter pas mal de nouveaux minerais. Ça va peut-être nous prendre plusieurs épisodes, hein. Peut-être un ou deux. Sachant que je travaillerai peut-être un peu de mon côté. C'est bon? Parfait. Eh ben, on est reparti. Et hop. Donc déjà, quand on aura le basalte, ça va bien nous aider. C'est quoi ça? Ah, attendez. C'est quoi ce rocher sombre sans... Oula. Des fois, le vaisseau, il me fait des trucs. Ah non, c'est pas du basalte, ça. Ouais, ça serait fou, quoi. Non, c'est du graphite. Le graphite, j'ai pas essayé de le récolter. On pourrait essayer, à l'occasion. Ok, alors. Je regarde, mais je crois pas. Hein. J'en ai trouvé que là-bas. Hein. Pourtant, j'ai tourné. Je suis où, hein? Non, mais je suis carrément pas dans le bon sens. Ah oui, c'est le nord-est. Ah, je suis bête. Par là, c'est carrément radioactif. Hein. J'ose même pas sortir du vaisseau. Ouais, je suis sur la bonne voie. C'est quoi que ça m'a mis là? Ah, il y a de l'or, du cobalt. Ah, bah l'or, ça pourrait m'intéresser. Oh mince! À chaque fois. Donc l'or, ouais, ça pourrait m'intéresser. Il est où, gisement d'or, hein? Où est le gisement d'or? Ok, il va falloir être rapide, hein. Encore une fois. Donc nous on veut construire ça. Un raffineur, ok. On va pas se casser la tête à faire... Non, pas ça. Un raffineur, entrée, sortie, impeccable.
Ouh, c'était chaud là. Ok. Ok, bah ça commence à me le transférer. Ça. Hop. Ok. Alors maintenant. Là, il y a une grande surface. Il est où? Ouais, ok. Après, on descend. Si on le met là. On va attendre que ça soit fini. T'es bon? Allez. Ah, il veut pas me le mettre. Pourquoi tu veux pas me le mettre? Oh, sérieux. Pourquoi il veut pas me le mettre? Non. Parce qu'il y a ça qui gêne. Ah, d'accord, bah pardon, c'était ça qui gênait. Bah, il faut qu'on tienne. Je sais pas si j'utilise la bonne méthode, hein, mais il crée quelque chose ou quoi là? Ah, il faut de l'eau. Ah ouais, c'est vrai, il faut de l'eau. Ah oui, ça va être un problème ça. Ça va être un gros problème. Et on peut peut-être mettre... une éolienne en plus. Où est-ce que je vais trouver de l'eau? Alors oui, en plus, faut la purifier l'eau. Hein, quoique c'est peut-être pas obligé. Bah de l'eau, je pense qu'on va en trouver par là. Ça va faire un gros parcours à faire ça. Hein. B. Non, map. Ah. Ouais. Par là donc. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ouais. Bah, ça fait une petite distance quand même. Hein. Et peut-être que la température n'est pas aussi élevée par ici. Degrés quand même, je sais même pas si je peux. Ah, je peux pas. Ah, si une pompe à eau, je peux peut-être pas forcément purifier. Hein. Je peux peut-être prendre juste l'eau. Ah, c'est chiant. Non, mais non, elle est où l'eau exactement? Là, ah, elle est là. Ok.
Mais non, voilà, comme ça. Oh, ça va être tendu. Je sais pas comment je vais faire. Hop. C'est comment? Ah, il faut de l'eau pure. Ouais, donc il faut quelque chose pour purifier l'eau. Ah, c'est chiant. Ok. Là, c'est compliqué. Et j'ai rien pour... Alors, attendez, on va regarder un truc. Non, pas ça. C'est mon journal, je crois. Voilà. D'accord. Avec 5 unités, ouais, donc ouais, donc c'est mon objectif, donc il faut que j'arrive à le faire, quoi. Pompe à eau V2. Ok, un purificateur d'eau V2. Ouais, donc ouais, non, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, hein, si je veux pouvoir continuer. Et dans mes constructions, j'ai rien vu qui me permet de résister à la chaleur. On peut attendre qu'il fasse nuit. Ça aidera certainement. En attendant, on peut peut-être aller recharger le vaisseau. C'est chaud, c'est tendu, hein. Je pense que la nuit, ça va être plus facile. La température sera moins violente. Mais bon, s'il faut que j'attende qu'il fasse nuit à chaque fois, où est-ce qu'on peut accélérer le temps, peut-être? Je sais pas. Alors, on va déjà recharger le vaisseau. Avec, je pense, à essayer de faire une batterie supplémentaire. Pour augmenter le l'autonomie du vaisseau. Parfait. Allez. Alors, donc, on va regarder ça en attendant qu'il fasse nuit. Ouais, non, j'ai pas un... j'ai bien une batterie standard, batterie haute capacité. Plus d'oxygène, donc non. Ça, c'est plus pour le vaisseau. Je crois pas. Hein. Non. Alors, donc, nous, il nous faut ça. Il nous faut ceci. Donc, il nous faut deux rotors, une antenne. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Juste petit truc, parce que... Ah, je pourrais peut-être faire comme ça. Si je construis et que je déconstruis au fur... Ah, mais déconstruire, c'est long. J'ai la capacité de le faire, remarquez. Hein. Ok, donc... Il fait nuit, c'est bon? On y va? C'est parti? C'est au nord-est. Je vais pas me tromper à chaque fois.
Là, on va voir la température qui va faire de nuit. Dans la partie où il faisait 50 degrés, je crois qu'on retombait à 40 degrés. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir non plus. Ouais, j'en ai pas trop. C'est par là. C'est par là, c'est par là. Faut que je retrouve juste l'endroit. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est là. Non, 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 non. Oh là 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 là. Alors. Ouais, on est passé à 72 degrés, c'est pas mieux. Hein. Mais j'arrive pas à voir le niveau. Ah, c'est là. La pompe à eau. Ok, donc là on a la pompe à eau. Parfait. Voyons voir comment ça fonctionne. Énergie 58%. Ouais. Ok. %. Ok. Donc là. Ouais, ben, il va falloir progresser comme ça. Hein. Bon, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à tirer un tuyau là. Jusqu'ici, donc, hop, on va le passer là, et on va le faire mettre ici, voilà, parfait, j'espère que ça marche, on va regarder après, je vais me mettre là, essayer de me rapprocher, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Pas d'eau. Alors, pourquoi pas d'eau? Alors là, je comprends pas. Le tuyau, je l'ai raccordé. J'ai fait toute la distance. Je comprends pas par contre. %62 en électricité, c'est quand même pas mal. Ouais, le tuyau il est bien raccordé, il n'y a pas de problème. L'eau. Ça a commencé à se purifier. Allons voir. Produit 63 litres. Fournit 100% de 0 litres par seconde demandé. Alors là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah non, 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 c'est raccordé, hein. C'est sûr et certain.
Je vais regarder, mais... Non, mais c'est sûr. Même si c'était dans la douleur. Regardez s'il n'y a pas un endroit où ça semble... Pour moi, le câble, il est bien raccordé. Hein. Ou est-ce que c'est là que... Non, là, c'est bon. Ah, mais c'est là. Ah, voilà. Comment on fait pour détruire déjà X? Non, c'est pas ça. Il est où le vaisseau? Il est là-bas. On va regarder après. Retourner dans le vaisseau, ça fait du bien. Il y a toujours un petit moment. Ah bah ça y est, c'est bon, ça produit. Bon, comme quoi, vous voyez, quand on est sûr de soi, il faut pas toujours l'être. Ok, bon bah ça, c'est bon. On va avoir une production de ça. Ça, c'est quoi ça? Ce truc là. Je crois que c'est la même chose, hein, non? Bon, ça c'est de l'osmium. Oh. Ça c'est de l'osmium, l'or. L'or, je crois qu'elle est raffinée. Ah, attendez, on va regarder tout de suite. L'or, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Ok. Donc c'est dans l'autre. Parce que le gisement d'or, il est là. Juste ici. Hop. Je suis... Ouais, donc ça c'est bon. Ça serait là-dedans. Ah ouais, mais ça va pas être facile si ça veut pas se placer correctement. Non, mais pas ça. Que je me mette plus par là. Ça sera peut-être plus simple. Allez, place-toi. Ah. Mais c'est pas vrai. Pourquoi tu veux pas te placer? Ah là, c'est bon. Voilà. Ouais, dites donc, c'est ardu, hein. Est-ce que tu me récoltes de... Ouais, c'est bon. Ok. Oh, il y a du chemin à parcourir encore. Allez. On y croit. Donc, il me faut une forge.
C'est un peu pénible quand même, hein. Il me faut une forge. Ah, il fait 90 degrés en même temps. Alors attendez, parce que comment on fait? Non, je vais pas le savoir là-dedans. Mince. Non, ça je peux pas le construire. Alors, je voulais savoir comment on faisait les fils d'or. Est-ce qu'on les faisait, si on... est-ce qu'on les fait avec de l'or pur ou avec des lingots d'or? Comment je peux savoir ça? Si je sais comment. Mais est-ce que je peux le... Non, je peux pas. Mince. Et là, il n'y a pas du fer. Ah si, peut-être. Hop, il est où? Il est là. Là. C'est avec ça? Non, je crois que c'est avec ça. Ouais, je crois que c'est avec ça. Ah, je crois que je peux. Ah, si, normalement, je peux. Non? Ah, oh, c'est pas vrai. Alors. Oui, calme-toi. J'aurais peut-être mieux fait de... Ouais, ça commence à se stocker, c'est bien. Ouais, je devrais pouvoir mettre ça. Ok, donc ça va se mettre là. Il m'en faut 80. Combien on peut stocker dans un entrepôt comme ça? Je vais aller voir. Ouais, c'est bon, on va avoir assez de place. Oh. Purée, il y a quand même une grande distance, hein. J'ai pratiquement plus. Enfin, il me reste 3 minutes de batterie. On va retourner à la base vite fait. On va vérifier ce qu'il faut pour fabriquer les fils d'or. Est-ce qu'il va falloir que je modifie? Mon raffinement pour avoir d'un côté de l'or pur et de l'autre côté des lingots. En tout cas, on va récupérer des ressources quand même assez assez rares. C'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et on va pouvoir commencer à construire peut-être des nouveaux bâtiments. Voilà, il va se recharger. Pendant ce temps-là, nous, on va vérifier. Et on va reprendre de la nourriture parce que purée, ça descend vite, hein.
C'est avec des lingots d'or, d'accord. Avec des lingots d'or et du caoutchouc, donc ça devrait se faire. Minerai de soufre. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui... Du phosphore, ok. Minerai d'uranium, j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Donc je préfère attendre de trouver un gisement. Allez, on reprend de la nourriture. Et donc, alors attendez, parce que... ouais, donc ouais, on pourra faire ça. Enfin, non, on pourra même pas le faire encore maintenant. Parce qu'il va nous manquer... Il va nous manquer une chose. C'est l'alliage d'acier. Comment faire l'alliage d'acier? Couche d'isolation, ok. Mais l'alliage d'acier, c'est pas là-dedans. Peut-être là-dedans. Ah, ça serait bien possible. Ça, circuit imprimé. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être le faire. Je sais pas si c'est un gros bâtiment ou juste une petite extension. Allez, on va essayer de finir ça là, vite fait. Je pensais pas que ça allait prendre toute une vidéo. Enfin, tout un épisode. Mais on va quand même avoir récupéré de l'or et... Du... Je sais plus le nom. J'arrive pas à retenir le nom. Basalte. En tout cas, c'est tendu. Alors j'espère qu'il n'y a pas une autre solution pour éviter les hautes températures, à part la nuit. Mais même la nuit, vous voyez, ça picote. Ok. Ah oui, j'ai carrément fait mon truc à l'opposé. Ouais, c'est vrai que dans la précipitation, j'avouerai que j'ai pas fait gaffe, hein. Allez. On atterrit. Allez, on est reparti. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Faire ça, hein. Ouais, c'est bon, ça devrait être rapide. J'espère qu'il va pas y avoir de problème sur... Sur le comment? Sur le chemin. Mais j'ai l'impression à chaque fois de pas faire des grandes distances, mais... Si, si. Ah, par contre, je ne supporte pas ces gémissements.
Ok, bon. Pouh, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il serait judicieux d'ajouter peut-être une éolienne? Non, ça a l'air de se transférer. Regardez-moi tout cet or. Tout cet or qui chemine vers jusqu'à mon entrepôt, que je pourrais revendre pour être riche. Ok. Et donc, là, le gisement qu'il y a ici, c'est quoi? Attendez. Cobalt. Osmium. Cobalt, osmium. Ok. J'ose espérer que ça va pas bloquer quelque part. Non, pour le moment, ça continue à avancer. C'est très bien. Donc, un petit point vite fait et on va aller tester ça. Du coup, il est où? Là. Il me faut des circuits imprimés. Ok. On va aller tester ça. Et on va arrêter la vidéo ici. Et on va avoir fait une sacrée progression parce que ça a été très tendu. Hop. Et dans le prochain épisode, on va tout simplement farmer à cet endroit-là. Non, là. Ici, on va pas farmer ça et ça. On va se contenter de là. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. Je pense que je ferai les fondations de mon côté. Et puis après, on construira avec une température peut-être un petit peu plus agréable. Mais c'est pareil, il faudra de l'eau et tout, il faudra faire tout un système pour acheminer l'eau. Voilà, parfait. Nous y voilà. Circuit imprimé. Je crois que j'en ai plus, mais je suis pas sûr. Mais au pire, je peux peut-être en fabriquer, ouais. Allez. Alors, est-ce que c'est un gros bâtiment ou pas? Est-ce que c'est... Moi, de ce que je comprends, c'est un bâtiment qui augmente de 10 la capacité des ressources qu'on peut stocker en allant jusqu'à 50. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui donne un bonus à notre entrepôt T1. Non, je sais pas. On va tester tout de suite. Parce que si c'est un entrepôt à part, personnellement, je trouve ça mal foutu. Parce que ça veut dire qu'on construit un entrepôt comme ça et que bah, il faut reconstruire encore un autre entrepôt. Je peux pas le remplacer, hein, c'est pas possible. Sinon, faudrait refaire toutes les connexions et tout. Non, à ce moment-là, si c'est ça, cet entrepôt-là, on le prend pour l'autre zone. Ah ouais, bah c'est ça. Ah ouais, mais il est énorme. Ah, on va le prendre pour l'autre zone, hein. Il faudrait détruire celui-ci. Il faudrait détruire celui-ci. Oh, mais je sens que j'ai passé de circuit imprimé, mince. Ah ouais, non, bah non. Ça veut dire qu'il faut retirer tout ce qu'il y a dedans. Ah, puis il y en a un paquet. Ah ouais, bah non. Non, non, non. Ça va rester comme ça.
De toute façon, quand je fabrique des trucs, des objets ou des améliorations, ça prend les ressources et après, bah, ça enchaîne, ça re-remplit. Et donc cet entrepôt-là, d'accord, on va se le garder pour la zone ici. Et à ce moment-là, ici, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'assez imposant. On va voir. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Parce que là, j'ai pas du tout envie de refaire tout un système de branchement et de vider tout l'entrepôt. Oh non, hors de question. Allez, je vais refaire des circuits imprimés. Hop. Et puis, bah, je crois qu'on va arrêter ici. Donc, on a bien progressé. Ça a été difficile. Bon, j'ai joué un peu de mon côté, donc du coup, pour pouvoir faire le branchement de l'eau, mais ça a été super long. Et j'avoue que ouais, c'est pénible, ce petit gémissement qui pousse sans arrêt. Je sais pas, il m'énerve. Bref. Allez, écoutez, on va arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager ou même le commenter. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.